Si je suis sûr qu'ils ont fait des choses très bien. Oh, ce corps, t'as vu ce qu'il a fait? Sa chemise, elle est partie. Des barres! T'as son corps qui sort d'aller, mais hop là! Il a haussé les épaules et tout son corps est parti. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions? Oh les vieux, je me rappelle plus qu'il y avait la vieille qui est comme ça. Mais mec, je me souvenais même pas de ce générique, moi. J'avais oublié que vous avez bien noir, maintenant. Par pure décence. Par pure discrimination positive. Bonjour, c'est Jean-Pierre 3D. Ça marche. Je vous remercie. Mais pourquoi il me dit ça à chaque fois? Ah ouais, dans le menu, il dit je vous remercie déjà. Non mais regarde. C'est noté. Mais surtout, c'est noté. J'ai rien fait, je vais juste dans options, regarde. Merci beaucoup. Mais pourquoi? Je pense qu'il faut jouer en équipe. Hein. Bah oui, je pense. Dada. Autour du joueur 2. Peux-tu me taper Toto, s'il te plaît? Ce serait trop marrant qu'ils disent Dada et Toto, mais je pense pas que la technologie sur PS2 à l'époque le permettait. Il me faut le nom de votre équipe. Oh, c'est cool, Jean-Pierre. Tu vas pas nous la demander, donc à quel moment on va te serrer? Merci, Wankil. Ce serait trop bien. Joueur 1, s'il vous plaît. Oui, mais Jean-Pierre, on joue en équipe. Mais Jean-Pierre, c'est le but, c'est qu'on soit deux, Jean-Pierre, non? Prends le stress, c'est nous qui y sommes cette fois-ci. Voici tout de suite la première question pour 200 euros. Au football, la personne chargée de signaler les hors-jeux est un juge. Mec, je sais même pas. Tu sais pas? Non, tu sais toi? Mais si tu sais. Non, comment? Mais comment tu veux que je... Ah, par contre, j'ai déjà entendu juge de touche, mais si jamais les autres existent, dans ce cas-là, je sais pas. Mais du coup, là, t'as validé une réponse de toute façon. Non, j'ai rien validé, je suis sélectionné là. Ah, on fait genre des éliminations comme à 1 million, tu vois. Alors, juge de contour, tu connais pas. Juge de limite, tu connais pas. Juge de touche. Juge de touche. Ouais, juge de touche. Il va foutre un coup de pression ou pas? Une formalité qui vous rapporte 200 euros. Ok, ouais, bah ça va. C'est une formalité. Condescendant, l'autre formalité. Ta mère. Dans le langage populaire, une fouineuse est une personne. Qui met son... un gros fils de pute, ouais. Alors discrète, hein, je dirais. Ouais, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Mais moi, j'aurais dit qu'il met son nez dans les affaires des autres. C'est une meuf, elle bave. Elle bave, cette pute, elle est sur Twitter et tout. Ça bave sans mentionner, là, t'as vu. Un, s'il vous plaît. On dit de quelqu'un qui accepte facilement une défaite que c'est un... loser. Mignon. Grosse merde. C'est un mignon joueur, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Il est très mignon, celui-là. Un beau joueur, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Bah, faut pas la pression, toi. C'est un enculé. T'imagines s'il a déjà fait perdre des gens comme ça qui avaient donné la bonne réponse pour la première fois et qui a intimidé? Parce qu'il y a la régie qui est derrière qui dit oh, on a pas les thunes, Jean-Pierre. Faire le contraire de ce que fait quelqu'un, c'est prendre le contre-jour. J'aime bien parce que pendant les questions fun, il a des intonations bizarres. Contre-jour. On est d'accord que c'est contre-pied. On est d'accord. Attends, quoi? C'est contre-coup. C'est contre. Oh putain, t'es une grosse merde. Heureusement que j'ai écouté mon instinct. Quand je l'ai vu, je me suis dit on sait jamais. Comment appelle-t-on l'édition complète des œuvres d'un musicien? Une mixtape, frère. Une grosse mixtape, vas-y. La totale. Bah en vrai je dirais l'intégrale, mais ça concerne pas forcément que les musiciens quand on dit l'intégrale. J'ai acheté la totale de Johnny. Bah l'intégrale, oui. Bien joué, vous avez atteint le premier. Merci Jean-Pierre. Prendre des précautions pour dégager sa responsabilité, c'est ouvrir. Pour dégager sa responsabilité, tu vois, c'est vraiment s'abriter de toute conséquence. Ouais, c'est pour ça, le parapluie, ça me paraît... Prenez votre temps, il vous reste encore deux jokers. Putain, bah moi je veux le parapluie. Ta gueule, Jean-Pierre. Alors le parapluie. Moi je suis prêt à y aller. Oh le bâtard, il met un coup de pression. Oui, c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous venez à l'instant de doubler cette somme. Oh. Oui. Yes. Oui, monsieur. Le clutch. Complétez le refrain de cette chanson. Mon ami me délaisse, au gay, vive la... Chat. Rose. Mon ami me délaisse au gay. Vive la jonquille. Vive la marguerite. Vive la, marguerite, vive la vive tulipe. La ça marche avec la tout. Rose. La rose, ça marche pas. Nique sa mère, la okay. Rose. On peut essayer de prendre un 50-50 qui nous laissera entre la rose et autre chose. C'est un clutch. Veuillez retirer deux mauvaises réponses. Laisse rose. Ok, Marguerite. Jean-Pierre, on a l'oreille musicale. Si c'est la rose, je retrouve l'auteur de cette chanson, je l'encule. C'est qu'une merde, ta chanson est nulle. Mais pas ton doigt comme ça, t'es un malade. Et là, ce n'est pas la bonne réponse. Et vous nous quittez avec 1500 euros. Jean-Pierre, nique ta mère. Oh, c'est stylé. Ok, je trouve ça assez cool. Je vais écouter cette musique. Attends, je vais la mettre sur mon téléphone. Oh, quelle grosse merde, ce musique de merde. Une personne qui perd ses cheveux. Ah bah tiens, Link. Je me dégarnis, mais dis donc, malgré tout, ça, je déménage toujours. Hein, <dis donc>. Je peux dire que je déménage. Hein. Au tennis, on peut prendre son adversaire à... À contre-filet. À contre-pied.
un contre-pied. Quoi, c'est pas vrai? Réponse, mais malheureusement, vous n'irez pas plus loin. Oh pardon. J'étais sûr que c'était un contre-filet. Mais non, j'ai regardé toutes les finales de Roland Garros pour rien avec mon. Bah non, je me suis dit que contre-filet, ça voulait dire peut-être qu'on s'en sera proche du filet. Normalement, on part avec zéro, on n'a pas fait de palier. Putain de merde. Parfait. En signe de réjouissance, les navires hissent le grand. Nique ta mère, Jean-Pierre. Mais quoi? Aucun des trucs, je sais ce que c'est. On a joué à Sea of Thieves, hein. Et pourtant. J'ai jamais essayé de phoque, de pavois, de perroquet ou d'artimon. Hein. J'aurais dit le grand artimon. Pure sonorité, pur instinct. On sait ce qu'on pensait aussi pour la chanson avec la rose et pourtant. Oui, c'est vrai. Après, mes parents, ils sont souvent en Bretagne. Ils prennent rarement le bateau. Quoi. Ça n'aide pas, quoi. Après, mes parents, ils mangent beaucoup de crêpes. Ah, peut-être que. Et ça, il appelle à un ami. Hein. On va voir quel genre d'ami on a dans ce jeu. Je vous rappelle que rien ne vous oblige à suivre son avis. Bah, de dire ça, ça trouve, là. Ça se trouve, c'est un fils de pute. Oui, j'écoute. Salut Nat, oui. Alors, on va te lire la question. En signe de réjouissance. Ah, bah, Jean-Pierre te la lis, Anne. Ah, alors, je sers à rien. Tant pis, Nat. Je crois qu'on dit le grand pavois, mais. Anne, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Vous êtes une salope. On hisse le grand pavois. Mais imagine, Anne, c'est une conne. Moi, j'aurais doublé d'un 50-50. Non, mais t'es complètement taré. Genre, on utilise tout notre joker. Vas-y, bah, si tu veux, pavois, mais moi, je la sens pas, cette dame. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Putain, s'il y a pas pavois, c'est une grosse conne. On va pas pour la scène. Mais elle avait besoin de dire je suis pas sûr. Vogueras, vous venez à l'instant de doubler cette somme. Eh ouais, putain, fallait écouter. Dans les pays anglo-saxons. Oh là là, je suis sûr que c'est un piège. Ah, Jean-Pierre a touché son doigt. Quand je mets la bonne réponse, je crois qu'il touche son, il touche sa lèvre. Refaites-le, Jean-Pierre. Clignez les yeux, Jean-Pierre, si jamais j'ai la bonne réponse. Musicien. C'est bon, musicien. T'as intérêt à paniquer, Jean-Pierre. C'était un bâtard. Mais y'a pas de piège, y'a pas de piège. Mais Jean-Pierre, on pense mais que tu veux nous baiser. Avant de se faire engager, un artiste passe sous le bureau. Une écoute. Le Porto fait partie des vins. Moi, je peux répondre sans trembler des fesses que c'est vin chaud, à mon avis. Sûr qu'il est pas liquoreux. Je sais pas ce que ça veut dire, donc dans le doute, je vais quand même répondre vin chaud. Mais sa mère, la pute! Est-ce que tu croises là? Les jours de la semaine qui ne sont pas des jours fériés sont des jours. Réponse, Thomas? Ouvrable. Sûr? Oui. Très bien. Vous pensez que la réponse est B? Je le pense. Vous gagnez 500 euros. Ok. Je suis pas très à l'aise. T'as vu comment il s'arrête d'applaudir vite derrière? Ah! En plus, c'est un loop! En 1976, Serge Gainsbourg. Allez hop, direct. Tu vois comme quoi ta culture musicale merdique. Mes parents écoutaient à peu près 2-3 trucs quand j'étais petit, dont ça. J'aimerais pouvoir vous dire que vous venez de gagner 12 000 euros. Eh bien, je peux le dire, félicitations. Ah, mais connard, il a foutu un coup de pression, fils de pute. En plus, j'étais trop confiant, j'aurais eu la honte. Le site archéologique de Louxor est mondialement célèbre pour son magnifique. Et le temple du Louxor, ça te dit pas un truc? Ah non. On l'appelle à un ami peut-être. Tu sais que le jeu, forcément, à mon avis, il est fait pour que des fois la personne elle se trompe. Hein. Ouais, je sais. Bon, bah, j'appelle Nat. Allô? Ah. Bonsoir Romain. Nathalie a changé. Qui veut changer de sexe. Oui, Bernard. Bernard, le François, site archéologique. Moi. Temple de Louxor. Ah, bah, il a redit le temple de Louxor. Et j'ai dit que ça m'était familier, le temple de Louxor. Ça me dit rien du tout. Bah, moi, je dirais qu'on y va. Parce que ça me disait quelque chose et ça lui dit quelque chose. C'est-à-dire que je suis pas fou. Vous venez de remporter 72 000 euros. C'est fini? Non, c'est bon. Par contre, on peut scanner la signature de Jean-Pierre et faire un chèque en bois. Le mec, il imprime ça, il va à la banque. À Dada. Bah si, regarde, il est vrai. Quel pape a été le premier à se rendre dans une mosquée? J'en sais rien. Pff, ouais, bah j'aurais dit Jean-Paul II, mais est-ce que ça va partir sur un avis du public? Allez hop, on n'a pas le choix. C'est trop serré, mec. Bah moi, je connais que Jean-Paul II. Jean-Paul II, je connais, moi, c'est Jean-Paul II. Je sais qui les autres. Les seules fois où je l'ai rencontré, le gars était super mec, sympa. Un amour. Je n'avais pas de clope, il m'a dépanné deux paquets. Il m'a dit, j'adore les musulmans. Donc je sais pas si ça voulait dire qu'il était allé dans une mosquée, mais en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. C'est votre dernier mot. Écoutez Jean-Pierre, qu'Allah me garde si c'est faux. Mais je vais répondre. De toute façon, je fais le ramadan, donc si je perds, ce n'est pas grave. Et vous venez de faire encore mieux, puisque vous remportez 100 000. Oh là 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 là. Merci Jean-Pierre, j'étais à deux doigts de vous égorger. Bismillah. Merci. Où l'archipel des Marquises se situe-t-il? Damien, dis-moi que tu sais. Polynésie française. Bien sûr. Dis-moi que tu sais, Damien. Alors, faut pas. Mais il est en train de manger. L'archipel. Je mange du saucisson. Le gars est en train de manger. L'archipel des Maldives. Des Marquises. Des Marquises. Comprends. Se situe, bien évidemment. Et ça, tu peux en être sûr. Putain. Réfléchissez bien. Mais j'ai réfléchi, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est pas parce que je réfléchis plus que je vais avoir la bonne réponse. Hein. On va devoir partir, non? Mais c'est pas drôle de partir. On peut pas partir. Parce que les gens seraient déçus. Les ils veulent du risque. Les gens veulent le million. Mais non, on l'obtient pas en partant. Là. Par contre, on peut l'obtenir en trichant. À vos téléphones dans le public. On va sur Google. À vos téléphones. Écoute, est-ce que tout est français là-dedans? Antilles, c'est français. La Polynésie française aussi. Mais du coup, moi, je répondrais d'un de ces deux-là. Les Seychelles, c'est français aussi, non? Écoute, Damien. Pour le bien du jeu, on va dire. On va suivre. Il me semble que les Seychelles, c'est français. Les Seychelles, ce n'est pas du tout français. Ah d'accord, autant pour moi. La preuve, on y naît noir. Damien, veux-tu arrêter avec tes théories nouvelles? Bah attends, j'ai un paquet de clopes. Côté cancer, A. Côté pub, B.
Côté cancer. On prie pour le cancer, s'il vous plaît. Vos gains s'élèvent maintenant à 150. Wow ! Le clutch, le merci, pouvoir du cancer. Merci au cancer. Merci au cancer. En bateau, quand on franchit l'équateur, on dit qu'on passe un bon moment. C'est pas la ligne équatoriale. C'est ce qu'on dit, mais bon, c'est un truc de géographe, Damien. Mais on peut être marin et passionné de géographie. Les marins, c'est des bons vivants, tu vois. Ils parlent de ceinture, de gros bidons, de nichons, de gros nibards. On vient de passer les gros nibards. Ouais, bah, on peut le rejouer au cancer. Ok, la ligne, c'est le cancer. La pub, c'est la ceinture. Okay. C'est la pub. Si c'est la ligne, mon toto. J'y vais avoir trop honte. Parce qu'en plus, j'ai essayé d'exposer un raisonnement. Genre, je vais avoir trop la honte. T'as intérêt pas... d'avoir pris des marins pour des cons et de manière justifiée. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Putain, c'était quoi? Pas la B. Non! Quel non! Oh, je suis deg. Et j'espère vous revoir. Oh non! J'aurais dû écouter ma ligne équatoriale. Après, Damien, 48 000 euros, c'est une somme. Je vous souhaite bonne chance. Les buffles. T'es sûr? J'en suis extrêmement sûr. C'est pas les buffs. J'en suis sûr à 600%. Et vous repartez les mains vides. Espèce de connard. En plus, je lui ai dit, c'est pas, t'es sûr que c'est pas les meufs. Et que vous reviendrez bientôt nous voir pour une nouvelle partie. Oh, on reviendra, Jean-Pierre. C'est bon, ça, t'as fini de nous faire perdre, là. Mais c'est quoi cette question de merde aussi, là? Putain, tu casses les couilles. Remporter un succès, c'est décrocher le... Xbox Pass, le panier. Ouais, j'aime pas trop ces expressions, hein. C'est un peu... C'est très vieux, hein. Hélas, vous retombez à zéro. Quoi? Mais qui dit ça, Jean-Pierre? Décrochez le cocotier! Fils de pute! Jean-Pierre, écoute-moi bien! Fils de pute, je vais surfer sur tes morts! Qui est-ce qui a déjà dit décrocher le cocotier à part une meuf de 90 ans? Comment le champion de Formule 1, allez-y, se prénomme-t-il? Mais Jean-Pierre, on sait pas qui c'est, Jean-Pierre! Mais connard! Bon, allez, on va dire Michael, allez-y, parce que c'est le seul truc qui sonne bien, et on va perdre. Malheureusement, ce n'est pas. Bah oui, bah nique ta mère, Jean-Pierre! On sait pas qui c'est, ce genre, allez-y là! Putain, mais mec, ma copine vient de me dire que c'est ultra connu. Quoi? Mais qu'elle aille se faire enculer, elle aussi, là. Qui connaît ça? Ah, tu vas enculer, va. Au teint crayeux. C'est quoi un teint crayeux, mec? Mais j'en ai ras le cul, Damien. Vas-y, c'est blanc parce que c'est une craie. 1500 euros. Personne m'a jamais dit, oh Damien, t'as pas un peu crayeux. Je l'ai pas entendu de ma vie, je l'ai jamais lu dans un bouquin. On m'a déjà dit, t'es blanc comme une merde de laitier. On m'a déjà dit, tu devrais prendre le soleil, mais on m'a jamais dit, t'as le teint crayeux. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? T'es blanc comme une merde de laitier. Mais c'est horrible! On m'a déjà dit ça. T'es blanc comme une merde de laitier. C'est super crade. C'était mon grand-père. Championne olympique en 1960. On sait pas qui c'est! La gymnaste Nadia Comaneci est d'origine. Je sais. Tu sais qui est Nadia Comaneci? Oui. Ok, c'est qui? C'est ma cousine. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos T'as gros con. Et Damien, on va l'appeler. Nadia, oui, ça va? Depuis Noël? Oui. Tu es de quelle origine, ma petite fille, là? Ma petite fille. Ma petite fille. Non, mais j'en sais rien, j'aurais des bulgares, mais j'en ai zéro idée. Ouais, pousse, hein, là, je pense qu'il y a que le public qui peut nous aider. Ouais, allez, ils ont regardé les Jeux Olympiques, hein, puis c'est que des vieux, là, dans le public. T'as un public dédicace. C'est à vous maintenant. Tu n'as aucune réaction face à ce que je viens de faire. T'as fait quoi? Ça l'a pas capturé, mon micro? T'as pété. Ah oui. Mais j'ai carrément pris la peine de prendre mon micro et de le mettre sur mon anus. Je l'ai rentré dans mon anus, du coup je comprends pas. J'ai vous pété mon micro. Bien raison, puisque vous gagnez 24 000 euros. Allez, la roumaine là. Dans la série Maggie. Mais qui est c'est quoi cette série Maggie là? Mais ça, à tous les coups, ça passe à midi. C'est ça le problème avec ce jeu, c'est qu'il est trop vieux, c'est des séries de merde. Pour moi, c'est Alice Sapritch. Ok. Mais je pense qu'il faut appeler un ami. Arrête! Putain, ça c'est pour être sûr que je suis sérieux ou pas. Oui Jean-Pierre, je vais appeler ma grand-mère. En vrai, elle aura peut-être la réponse, hein. Allô? Oh, pour m'emmerder, moi que je dis. Oh Damien, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Papy est mort la semaine dernière, t'as même pas appelé. Marc Villalonga, mais cette série est passée il y a tellement longtemps que je sais pas si mes souvenirs sont bons. Hein. Attendez, j'appelle moi-même ma grand-mère, je reviens. Elle avait pas l'air... Ça fait crise pour nous, Marc Villalonga. Allez, merci beaucoup, mamie. Merci, mamie. Et tout bien, rapide. Allez, hop, on raccroche. Allez, gros bisous, Damien. Jean-Pierre, je vous adore. Oh, vous êtes malin, ben, oui. Ah oui. Combien de dés faut-il pour jouer au poker d'as? Faut que j'appelle Héro. C'est l'autre appel à un ami, on y a droit. Oui, parce qu'on est des streamers. Alors, n'hésitez pas à répondre. Ouais, à cette David, question, je t'appelle parce que je suis à Qui veut gagner des millions et j'ai besoin de toi pour une question sur le poker d'as, tu connais? Ouais. Alors, je vais te lire la question, David. Combien de dés faut-il pour jouer au poker d'as? 3, vous venez 4, d'atteindre le 5 palier. Ou 6? J'ai le droit de regarder sur internet? Non, t'es censé le savoir. Comment? Mais putain. Allez, donne-moi entre 3 et 6. 3, 4, 5, 6, on compte sur toi. 4 ou 5. Ok, on va le jouer le 50-50. Merci David. S'il reste 3 et 6, je rigole. Ok, bah c'est 5 du coup. Vous avez tenté les 72 000 euros,
que vous venez de rencontrer. Oui. Wow. Bon, il n'y a plus de joker. Hein. Non, là, c'est foutu. On peut encore passer un appel à un ami si on a quelqu'un de précis en tête. Mais à cette heure-ci, on peut pas appeler tout le monde non plus. Non, c'est ça le problème. C'est que tout à l'heure, j'avais une idée en tête, mais je pouvais pas me permettre d'appeler à cette heure-là. Allô, maman. Putain, je dormais, gros con. Un cordeau. En vrai, j'ai quelqu'un à appeler. Tu fais de la pêche? Avec qui j'ai déjà pêché, c'est mon papy. Mais il est mort. Du coup, je sais pas s'il va répondre. C'est tellement horrible de faire une blague sur ça. Damien, là où il est, je suis sûr que je l'ai beaucoup fait rire. N'empêche qu'il pêchait et que je suis déjà allé pêcher avec lui. Donc... Bah alors, dans ce cas-là, respecte sa mémoire et répond. Et bah, j'aurais dit une ligne de fond. Est-ce que le 118-218, il existe toujours? Quoi? Peut-être. C'est le moment d'essayer. Faut pas seulement compter sur mon papy. Always look on the bright side of life. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je suis actuellement avec Jean-Pierre Foucault et la question est la suivante. À la pêche en rivière, un cordeau est petit A, une ligne de fond, petit B, un moulinet, petit C, un filet ou petit D, une épuisette. À la pêche en rivière, un cordeau est une ligne de fond, un moulinet... Ou une épuisette. Très bien, vu que vous n'avez pas d'autres demandes qui concernent la meilleure, monsieur, je me vois dans l'obligation de mettre fin à l'appel. Je vous rappelle à bientôt sur le 118-218, au revoir. Moi, Damien, je pense que c'est parce qu'il savait pas la réponse, du coup, il a évité. Bon, bah allez, on va compter que sur mon papy. Vous avez 100 000. Oui, merci, papy. Ok, 100 000 balles. 100 000 boulas. Et pas merci au 118-218, hein, qui n'a pas donné de renseignements. De toute façon, chaque fois que je les ai appelés, ils m'ont déçu. La finette est un tissu. La oh finette. Non, mais la finette. Mais c'est un truc de cul, ça, la finette. Moi, Jean-Pierre, là, je vais laisser mon ami Damien répondre parce que c'est vrai qu'il adore les tissus. Il adore la lingerie coquine. Ta meuf est pas là. Ah non, elle est sans sa famille, malheureusement. Sinon, elle s'y connaît, elle me l'aurait répondu. Oh, je l'appelle. Leïla, je suis actuellement avec Jean-Pierre Foucault. À la question suivante, la finette est un tissu de lin, de coton, de crêpe ou de soie? Réfléchissez bien. La finette. Si vous donnez 2000 euros. La. Fais un effort. La finette. T'es censé t'y connaître en vêtements. Je sais pas comment on fait. Tu es aussi utile que le 118-218. Entre le lin et la soie, tu dirais quoi? 2000 euros. Très bien, merci, je t'aime, tu étais très utile. Est-ce que j'appelle ma copine peut-être? Appel, appel. Ouais, je sais pas. Oui, allô, bébou. Je oui. Sais pas. Comment ça, tu sais pas? Alors, la finette est un tissu. C'est quoi la finette? Tu sais pas ce que c'est la finette. Mais bébou, une petite tenue en finette là, entre le lin et la soie, tu dirais quoi? Je dirais que j'ai regardé sur internet et. Non, ok, je raccroche. On a appelé toutes les femmes de notre entourage. J'appelle ma mère. Mais il est 1h du matin, la pauvre. Ah, maman, tu dormais pas? Très bien, alors j'ai une question pour toi, je suis actuellement avec Jean-Pierre Foucault. Excellent. Avec Thomas. Excellent. Écoute bien la question. J'écoute la question. La finette est un tissu de lin, de coton, de crêpe ou de soie? C'est du coton pour moi. Tu es sûre, maman? J'en ai entendu parler par ma grand-mère de ça. Maman, je vais répondre le coton. Pitié, faites que ce soit le coton. Que oui. Oui. Merci, maman. Merci, maman. 150 000 euros. Merci, maman. Bisous. Bonne nuit. Ma mère, c'est MLG. Attends, mais c'est tellement vieux qu'elle a quand même fait référence à sa grand-mère. Ah, j'avoue, sa grand-mère à elle. Incroyable. Quelle belle partie on mène. Célèbre pour ses peintures, Rembrandt excellait aussi en... Ma meuf fait des études d'architecture. Elle s'y connaît en art. Je peux la rappeler si jamais tu n'as personne pour... Ah non, là, j'ai personne. J'appelle. Elle a intérêt de briller, cette deuxième femme. Putain, heureusement qu'on a mis le joker. Je te laisse une dernière chance de pouvoir briller. Non, écoute, célèbre pour ses peintures, Rembrandt excellait aussi en gravure, sculpture, architecture ou musique. Je suis pas sûr. Écoute, je te faisais confiance car je pensais que tu avais beaucoup de connaissances dans l'art. Écoute-moi bien, si jamais je réponds sculpture et que c'est pas ça, j'appelle ton école et je demande à ce qu'ils te renvoient. Je te remercie. Je vous rappelle. À bientôt. Ça commence à bien faire. Elle a dit sculpture? Ouais, elle a dit sculpture, mais après elle me décevrait énormément. Moi je veux bien te laisser choisir aussi parce qu'elle était pas sûre. Ok, si tu veux, on le fait entre gravure et sculpture. Bon bah écoute, okay. Cancer, gravure, sculpture, pub, attention, on lance. Cancer. Bon bah gravure. Bah allons-y. Et on perd à ce niveau-là alors qu'on était presque sur le million. Et votre réponse est la bonne. C'est où? Putain, putain l'enculé. La force du cancer. Damien, appelle l'école de ta copine. Elle est virée sur le champ. La 15e et dernière question. L'unité qui sert de base pour établir le cadastre d'une commune est... Je comprends trois mots. C'est quoi le cadastre? Attends, ok, Google. Qu'est-ce qu'un cadastre?
Non, arrête, on réfléchit. Non, non, triche pas. Ouais, en fait, c'est un fichier de renseignement, ça m'avance pas. Pour moi, c'est l'art. Tu sais pas ce que c'est l'art ? Tu veux que je te résume mes arguments ? Une parcelle, c'est pas une unité de mesure, c'est un truc physique qu'on voit. Le lopin, on a dit, c'est un truc moyenâgeux. L'argument est débile, mais on l'a. Et l'enclos, pour moi, c'est un truc qui entoure et qui clôt. C'est pas une unité de mesure. Écoute bien, je valide. Attends, soit t'es un tricheur, soit t'es un enculé. Dans tous les cas, attends, tu t'en attends, je vais te poser une question, Si jamais tu devais encore réfléchir des heures et des heures, ouais, qu'est-ce que t'aurais répondu ? Bah, l'art. Un million, tu sais ce qu'on se fait, un million ? Un million, c'est ce qu'on se fait en un mois et demi, c'est énorme. Putain, mec. Putain, on va louper le million. Allez, hop, je valide. Attention, les voisins. En répondant à cette question, vous preniez le risque de perdre 252 000 euros. C'était courageux, mais c'est une mauvaise réponse qui vous fait retomber à 48 000 euros. C'était quoi, espèce de... T'es qu'un con. Vous repartez avec 48 000 euros. Bravo. Mais je putain sens de connard. Au moins, Damien, c'est la preuve de que... connard. C'est la preuve que je n'ai pas triché. 48 000 euros, c'est pas si mal, Damien. T'es un gros con, putain de merde. Mec, j'ai dérangé ma mère pour ce million. J'ai dérangé ma meuf et ma mère. Ouais, j'ai dérangé mon papy par mes morts. J'ai dépensé 8 euros dans le 118-218 pour le million. C'était une belle aventure. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Et moi, j'ai voyagé.